gagner l'honneur et vraiment de grand honneur pour vous présenter à la nation, à la presse nationale et internationale, la direction politique de l'opposition démocratique. C'est un effort extraordinaire. Nous connaissons comment il est difficile dans le pays pour que nous travaillions ensemble. Oui, tu as gagné des difficultés. Oui, les choses ne sont pas faciles. Mais nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons. Et je dis, nous sommes capables de sous table là. Payez le secteur démocratique et populaire, Fusion, OPL, Uniforce, Unité, AAA, Mokena, et toute partie politique avec organisation SAIO, mettez tête ensemble. Objectif là, c'est organiser bataille politique là. C'est continuer discuter avec tout secteur dans le pays pour nous présenter à la nation le plus vite possible une proposition très claire de sortie de crise. Et deuxième objectif là, c'est renforcer la mobilisation qu'a faite dans le pays depuis quelques temps pour nous arriver effectivement à retirer Jovenel Moïse au pouvoir bien avant 7 février 2021, qui c'est date lui obligé de quitter le pouvoir d'après la Constitution. Alors, merci en pile, encore une fois, aujourd'hui, nous célébrons l'unité des forces démocratiques, l'unité des forces de l'opposition. Et ça, définitivement, c'est un acte historique. Et nous présenter l'unité ça 2 jours avant l'anniversaire de la mort de Papa Nation, qui était un gros projet, un vrai projet pour Haïti. Et nous pouvons définitivement, je peux le dire, c'est la vérité, nous sommes dans la bonne direction. Et maintenant, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, le sénateur Edgard Gardier Leblanc-Fils, qui va commencer avec la lecture des propos de circonstance inscrits dans un texte préparé de façon unitaire par les partis et organisations politiques de l'opposition. Sénateur Leblanc. Toute la personne qui répond présent à l'invitation, merci beaucoup. Message opposition 15 octobre 2020. Présentation direction politique opposition. Depuis plusieurs mois, le quantité de partis, organisations, groupements politiques, la société Villa, mettez tête ensemble pour faire face carré à un régime dictatif et HTK, pour faire respecter la Constitution et puis faire pays à fonctionner dans l'ordre et la démocratie. Et structure politique, ça y est, dans l'opposition, faire concertation avec un pile l'autre organisation politique et un pile monde dans la société civile là, pour nous atteindre l'objectif. Peuple haïtien habitué à suivre la position publique, partie et organisation politique ça y est, sous divers événements passés dans la conjoncture difficile pays a plusieurs fois déjà. Je dis, nous voulons présenter devant l'opinion publique là une structure, direction qui porte le nom direction politique opposition, parti et organisation politique. Direction politique ça, c'est Haïti en action, AAA, Fusion social-démocratie, Mouvement chrétien pour un nouvel Haïti, Okrena, Organisation Peuple Capilité, OPL, Uniforce, Unité, Secteur démocratique et populaire, Vérité et Veillé. C'est un espace qui a prêté l'ouvrir pour l'autre parti politique et organisation rentrée en donne. Il y a qu'à rejoindre nous. Notre combat pour défendre les valeurs démocratiques,
et puis libérer le pays en bas pouvoir tête chargée qui m'a tête lié. Premier mandat direction politique ça, c'est suivre l'évolution situation politique là en permanence et puis définir action qui peut faire conjointement avec l'autre acteur qui concerne nous pour atteindre l'objectif qui fixé. Deuxième mandat direction politique ça, poursuivre discussion avec divers autres secteurs de la société pour préparer gouvernance, pouvoir, transition. Plus grande action, direction politique, à Chita, sous unité et inclusion, dans la recherche de l'entente nationale. Nous avons pour nous convaincre un maximum de compatriotes pour rejoindre nous dans la lutte pour la démocratie, pour libérer la justice et pour forcer tout le monde. Respecter mon loi paysan, président République là en premier, président pas de mettre en tête lui, mais sous tête constitution avec la loi pays. L'ICA dirige le pays là, selon bon plaisir. Pour pas nous, à mener nous sans manque dans une loi de gouvernance transition. Et pour nous convaincre, une grosse majorité parmi les compatriotes pour nous faire comprendre le dialogue dans le temps démocrate haïtien indispensable pour construire un consensus qui a amené nous dans le projet national. Il y a des gens qui veulent faire croire ces oppositions à tout prix qui veulent une période de transition. En réalité, si je dis à vous obligez à parler de transition, c'est parce que c'est ça. Président Jovenel est vrai pour le pays et puis l'imposer société. Définition de transition, c'est période qui trouve entre le moment où sorti dans l'autre constitution et fonctionnement normal institutionnel et le moment côté où remettre démocratie. Le président. C'est qu'il y a 7 élections pour l'organiser d'après la Constitution. D'après la Constitution, il a prêté serment sous l'IA. Il n'a pas organisé une même pendant 4 années qui passaient là. Et il vivait dans le même mandat. Seule option de quitter le pays, c'est transition. C'est ça qui offre le pays. Depuis le mois de juillet 2020, depuis le mois de janvier 2020, nous, en dehors du cadre constitutionnel, ça veut dire non, déjà. Celle différence, le président pensait les caménels pourquoi. Nous ne jamais suspendre, rappeler le président, disposition article 150 constitution qui dit chef de l'État, pas qu'à exercer aucun pouvoir constitutionnel par mal. En attendant, président, quitter le pouvoir, c'est nous-mêmes qui pour réfléchir ensemble. Sur le contenu de transition rictique, nous avons besoin de transition coupée fâchée, nous avons besoin du pays là, sur le dialogue national là, sur l'organisation du vrai procès pétro-caribé, sur le jugement assassin qui fait divers massacres sur le peuple là, dans diverses occasions. On va passer la parole là à Yuri pour présenter le principe respect constitutionnel. De présenter cet article et nous remercier pour le moment difficile ça. Sauf l'ILCC qui le lendemain matin que exécuté Rico l'a voulu papier par une autre pour demander information. C'est-à-dire continuer à persécution. Mais nous dit tout le monde merci et d'avoir informé de date funéraire et d'avoir annoncé que le seul Dubras n'y allait mieux, n'y quitter l'hôpital. Ça l'a dit, je dirais, c'est que date constitutionnelle pour le président Jovenel Allais, c'est 7 février 2021. Ce n'est pas une date politique, c'est une date constitutionnelle. C'est 54 juillet qui dit que, à la veille de ça, ça nous marque son pays qui est cancérisé, son pays par un système électoral. Là, nous disons cancérisé, nous avons police. Police là,
techniquement, les faire et les politiser. Techniquement, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il n'y a pas aucun plan là-dessus. Il y a un plan pas suivre. Il n'y a pas formé. Il n'y a pas déployé, j'en peux déployer. Unité spécialisée pas fait travail. Ils arrivent à côté, pas de aucune formation continue. Et l'homme police qui fait, et puis qui politise, ça veut dire qui ça? Grade yo bail. Poste yo bail, c'est par là qui baille. Tout ça qu'a fait en dedans, il y a une unité spécialisée qui est un policier qui va jamais travailler là-dedans. Ils dépendent directement des chefs politiques et c'est eux qui ont fait l'obéissance dans la rue. Directeur général de la police, là, il doit garder le monde qui va travailler seulement. Il t'a découvert, mais il va faire. Ça veut dire qu'on gros contrôle, en pile mon a tombé dans la rue, et policiers, ça y est, ils ne vont pas escorter, ils dépendent des chefs politiques. Là où ils vivent dans une situation comme ça, citoyens dans la rue, ils ont livré à eux-mêmes tout le monde. N'importe quoi qui est arrivé, n'importe qui l'heure. Donc, insécurité, les blagues dans le pays, les dans le niveau technique, les dans le niveau politique. Pendant que la police a, y a bail 9 milliards de gouttes pour que les bail sécurité, mais dans quel niveau ils ont mis côté que les pas qu'à faire travail. À côté de système ça qui pas fonctionnel, insécurité qui a blaï, pas de système électoral dans le pays. Même 4 pas de monde, puisque le gouvernement ça a dit qu'il a fait 4. Après 2 ans, on y va un rapport m'a dit. Seulement, d'après ça, on y dit que nous pas quoi. On y dit, il fait 3 millions 4, il distribue 2 millions. Nous en octobre 2021, si on y fait 2 ans pour le bail 3 millions 4, et que 7 millions électeurs, il était 4 millions. Il dit, on y dit fait 11 000 4 par jour. Pas de monde qui quoi. Mais si nous étions sous donné lieu, il a fait 4 là. En février 2022. Ça veut dire que pas de aucun moyen, pas de ni système électoral, ni cadre, ni sécurité. Et ça m'a dit, blanc connaît, parce que vous avez fait un rapport pour l'imatir. Ambassade américaine connaît, Canada connaît, Allemagne connaît. Dans dit, nous avons une démocratie au rabais. Nous qui là, c'est démocrate convaincu. Nous voulons une démocratie côté que, avec une sécurité et un système électoral qui cabaille élection. Pour ça qui est bon, pour ça qui est gagné. Donc, la petite internationale là, pour que je dis, il n'y a pas rentré dans ça, parce que ça le contrôle. Je dis, secrétaire général de l'ONU, il ose dire que c'est grâce à la gang de sécurité. Côté, on secrétaire général de l'ONU, il a dit ça. Alors, là, il dit ça, il a tout avili la police là. Il a tout avili même. Je dis à tout le monde qui a payé 9 milliards pour sécurité. N'a pas dit secrétaire général Latramel. Haïti, son pays, c'est une liberté. Je dis à ces démocrates qui réunissent là. Et les démocrates réunis pour une démocratie, faut une sécurité. Et faut un système électoral qui ne passe pas pour qui. Et c'est peut-être ça, n'a pas dit. N'a pas préparé. Et n'a pas proposé ça pour nous faire la transition. Et n'a pas dit. La petite internationale là, prenez pour que le cas accompagne vrai démocratie parce que Haïti pas prend démocratie au rabais. Amen. Merci à vous. Sénateur Yui, pendant ma petite sénateur Yui, merci. Ma prête voix à nous tous qui là. Ma prête voix à peuple haïtien. Ma prête voix. Directoire qui là pour nous présenter sympathie nous par nos camarades, par nos collègues, par nos frères qui sont sénateurs. Sénateurs, oui, nous souhaitons courage et vous faites preuve de ça. Et pour aujourd'hui à toute persécution ou à vivre, c'est pour conviction politique, c'est pour position politique et c'est pour engagement pour le peuple là. Ou pas pour contre, peuple haïtien avant, et tout le monde qui est sous table là, et tout le monde qui est dans la salle là, il y a avant, pas pour contre, pas valer pour journaliste. Il y a dit ça. Mais vous félicitez pour courage. Jean,
tout intervenant au sortir là, son conférence de presse spéciale. Et c'est dans ce sens-là, moi-même, je vais vous parler concernant l'assassinat de Maître Monferrier Dorian. Je vais vous parler de l'assassinat de Grégory Saint-Hilaire. Je vais vous parler de Rico, chef de sécurité de Louis. Je vais vous parler de toutes les questions. Identité que le gouvernement ça a parlé, sauf et Yuri, sauf qu'on dit parler sur lui, pour dire nous, dans la logique ça, blanc, bon plan pour offrir une démocratie, pépé. Et pas la démocratie, pépé ça. Nous, l'autre fois encore, au même directoire qu'il a, nous condamner à toute force, assassinat qui fait sur Monferrier Dorian. Nous disons, type d'assassinat ça y est, c'est le pouvoir en place là qui est responsable. Parce qu'il y a une responsabilité pour assurer la sécurité de tout le monde. Au lieu de faire ça, il préfère assassiner les citoyens. Nous connaissons à quelques mètres de Kay Jovenel, il a assassiné M. Dorian. Dans ce sens, nous-mêmes qui là, nous demandons justice pour M. Dorian. Pendant la demande de justice, nous-mêmes, avec voix par nous, nous disons nous pour déclaration Barou pour tout le respect, déclaration Barou à travers le monde, fait pour demander une commission d'enquête internationale qui vient expert là-dedans, qui pour venir vérité. C'est la même logique là. Nous condamner avec toute force, tout massacre qu'a fait à travers le pays. Là. Particulièrement ça qui a passé Belen dans le moment ça. Nous disons, nous sympathisons avec eux parce que c'est Haïtien qui a tombé, c'est Frère Axel qui a tombé. Et dans ce sens, nous disons, nous demandons justice pour eux et nous croyons que la justice nous prend responsabilité pour ne pas perdre la justice. Et dans le même sens, les cadres d'organisation internationale. Donc pour l'organisation des droits humains qui condamne ce qui a passé vers l'air, la saline un peu partout. Nous disons, massacre qu'a fait Joe, c'est le pouvoir qui est responsable. Et même gens, nous avons constaté, en bas de tout le monde, côté agent sécurité palais national, qui a assassiné Grégory Saint-Hilaire. En dedans, université. Ça, ce bagage jamais vu. Nous pas jamais voir ça même sous divalité. Pas de gens qui bagaillent ça. Et c'est ça que fait nous-mêmes qui sommes table là. Nous condamnons et demandons justice pour Grégory Saint-Hilaire. Et c'est la même logique là, j'ai commencé là. Nous demandons justice pour Grégory et pour Rico, chef de sécurité, Louis-Marc. Nabdi, assassinat ça a été visé directement sénateur Yuri. Parce que à 5 minutes que le sénateur Yuri qui est Rico, il y a un mouvement qui a sur le sénateur, mais on prend le coup quand même. Ça montre en clair qu'il a voulu assassiner Yuri et une menace qui pendait sous l'opposition en général. Et n'a dit opinion nationale et internationale. Tout leader qui est dans l'opposition, sécurité, il a assuré avec le peuple, mais Jovenel a une responsabilité par rapport à la menace qui a tombé sous l'opposition. Dans la même logique là, nous disons, peuple, pour faire en place, il y a un plan pour retirer l'identité de nous-mêmes. Il y a 4 identités nous pas valables. Il y a 4 électorales qui sont dans nous pas valables. Il y a passeport nous pas valable. Licence nous pas valable avec un décret scellé. Nous-mêmes qui là, nous disons 4 ça. C'est l'identité nous, bien ça, c'est l'identité nous. Nous avons été croyés là-dedans. Et faut nous-mêmes, nous protester, nous agir contre le pouvoir ça, pour nous faire respecter le droit nous, pour nous capables d'identifier nous à bien ça. Et nous croyons dans le jour de l'Ina, nous continuons à conserver, pour nous garder l'opportunité de nous désobéissance civile par rapport avec des massacres. Imaginons, Jean Sénateur Yuri sorti là, bureau qui a fait 4 ans dans le pays, 4 démarches, 4 nous reprochés,
n'est pas capable de river tout le monde. Je dis à vous parler de 2 millions et 3 millions de monde qui ont fait 4 millions. Alors que le pays a environ 7 millions de monde qui ont fait 4 nommés. Si vous ne pouvez pas faire 4 et vous ne pouvez pas arrêter dans la rue. Et si nous-mêmes nous rêvons à dormir, et si nous ne réveillons pas, nous, on met le pouvoir dictatorial ça pour imposer nous une bagaille contre volonté nous. Pendant qu'ils ne vont pas arrêter nous pour 4 ne pas cavaler. Et dans ce sens, il faut exiger pour nous reconnaître passeport nous, carte d'identité nous, licence nous et toute pièce qui est capable d'offrir des cadeaux aux autorités pour nous-mêmes nous identifier. C'est dans ce sens qu'on a demandé pour nous-mêmes nous dénoncer les actes et toute directoire lui-même nous dénoncer. Je vais finir pour nous dire. Dans quatre batailles qui viennent là, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre responsabilité nous et partis politiques avec organisation politique qui ont commencé à prendre responsabilité. Et c'est ça que fait nous table là et demander pour nous porter support, pour nous porter un cadre de soutien à une démarche unitaire qui a fait dans le pays pour définitivement nous arriver avec une opposition de rupture pour nous bailler peuple là, nous l'autre l'espoir. Nous l'autre la vie mieux. Et c'est dans ça que nous pouvons. Et c'est là ça que nous pouvons pour les messieurs. Est-ce que nous perdons? Est-ce que nous perdons? Est-ce que nous perdons? Moi qui menace qu'a fait, est-ce que nous perdons? Est-ce que nous perdons? Est-ce que nous perdons? Merci. Parce que la guerre nous a fait. Dans la bataille difficile. Dans la bataille difficile que nous c'est peut-être ça. Jean ouais, les gens qui parlaient avant m'en sortir, les gens qui parlent avant m'en sortir. L'année dernière, nous-mêmes nous avons marché côté et alliés. Nous avons gagné le secteur démocratique et allié. Je dis à nous faire un seul. Nous faire un seul pour mener une seule bataille. Parce que l'on unit pour une force. Et c'est ça qu'on a célébré aujourd'hui. Parce que, dernier point, la présenter par la presse, c'est l'importance pour nous continuer mobilisation. Importance pour que tout démocrate conséquent dans le pays, doit travailler ensemble pour bloquer le projet dictature Jovenel Moïse. Depuis le mois de juillet 2018, haïtiens ou haïtiennes, ils ont lancé un message clair pour voyer jeter bien loin mode gouvernance pouvoir en place là. Dans plusieurs occasions et pendant plusieurs mois, peuple haïtien répond à l'appel parti politique dans l'opposition démocratique là massivement. Mais le président choisit de fermer les oreilles, de boucher les oreilles avec béton. Il refuse d'entendre cris revendications légitimes peuple. Dans le moment mandat constitutionnel président Jovenel Moïse là, rive dans bout li, tout haïtien conséquent qui voulait changer pays à véritablement, qui voulait un dialogue sincère, qui voulait un pays qui doit récupérer l'argent au Caribe ou le PHTK à un pilote pour l'or. Qui voulait pour nous juger et puis condamner tout le monde qui voulait pour petit peuple, pour petit peuple, pouvoir exécuter, joindre justice. Pour toute victime, massacre, la saline, assassinat, qui fait bel air, victime, bel air, tout le monde qui mourit, tout le monde qui est en prison pour nous remercier, qui a joué une libération. C'est pour nous tous nous prendre la rue, mes amis. C'est une mobilisation qui doit réunir toute cause sociale dans le pays pour nous envoyer un message clair à Jovenel Moïse. Ce n'est pas une mobilisation d'un jour, ce n'est pas une mobilisation d'un jour, c'est une mobilisation tout le temps dans quatre coins du pays pour nous capables de contraindre Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Nous appuyer. Mobilisation pacifique, toute organisation dans tout pays à prendre, toute mobilisation qui visait
avoir tête